Salut les gars, c'est Croque-Madame, on se retrouve pour un nouveau live. Enfin, un live commentary, on va dire ça comme ça, mais c'est pas un live dans le gameplay en fait. Donc c'est mon premier face live, plutôt face live, depuis que j'ai commencé ma chaîne, donc depuis quelques années. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai la cam parce que je pensais pouvoir streamer déjà il y a un petit moment. Malheureusement, la fibre n'est toujours pas là. Enfin, elle est dans la rue, mais elle n'est pas dans le pavillon, donc faut attendre encore un petit peu, je sais pas combien de temps. Et je pourrais enchaîner des lives sur Twitch, etc. Comme il faut sur Black Ops 3. Et puis on va attendre aussi Battlefield 5, je pense. Et le prochain code, on va voir ce que ça donne. Space Warfare, on sait pas encore ce que ça va donner. Et j'espère qu'il va être bien. Parce que bon, c'est vrai que j'étais un peu inactif. Et j'ai perdu pas mal de vues et pas mal d'abonnés. Vu que j'ai été inactif et vu que les. Enfin, c'est parce que les Call of Duty qui sortaient étaient pourris. Tu vois, un peu l'accent quoi. Donc voilà mon petit casque, j'ai un petit peu espacé de ma bouche parce que bon des fois je souffle dedans, on entend ma respiration tu vois vu que j'ai la voix grave donc la respiration est grave aussi tu vois ce que je veux dire. Donc voilà les gars, alors là on se retrouve pour un putain de gameplay quand même, un 125 kills non létal en solo, donc avec la petite faux et la manoir avec viseur, j'ai mis quoi dessus, cross, rapide, gros calibre. Et post-combustion, Maleste et Pillard. Là je fais une petite variante en ce moment, j'enlève Maleste et je mets Polynergo à la place parce que voilà, on vise pas tellement plus vite avec Maleste j'ai l'impression et c'est un petit peu dommage. Mais bon dans l'ensemble ça passe quand même. Donc pour ce petit record là, parce que 125 kills c'est pas de la merde les gars, il y a Pumkill qui a fait 139 je crois. Et il doit pas y en avoir beaucoup qui ont fait plus, donc je précise que c'est en normal parce que forcément en hardcore je peux faire beaucoup plus. Donc masse de like les gars, pour le facecom aussi, masse de like, obligé. Et au moins 1000, hein, au moins 1000. Avant je faisais facilement les 1000 likes, maintenant c'est vrai que c'est un peu, j'ai un peu du mal à faire 1000 likes, malheureusement. Et surtout sur la petite nucléaire, enfin la petite, je dis la petite, mais la grosse nucléaire que j'ai mise en hardcore avec juste un seul joueur en 60 secondes les gars. Récemment j'ai vu sur une grosse team américaine de... comment dire de performance hein, tout simplement qu'ils ont mis pareil nucléaire en 60 secondes donc je décide d'aller voir tu vois par curiosité et en full blocage de spawn donc c'est vrai que là une petite nucléaire juste avec un coéquipier dans la game full rush voilà les spawns ils avaient changé full rush parce que je joue pas forcément la nuque sur ce jeu dans ce gameplay là il y aura pas de nucléaire mais donc voilà full rush nuque en 60 secondes les gars je remettrai le lien dans la description et puis aussi dans la vidéo. Pour que vous alliez checker ça, enfin, j'ai du mal non. C'est parce que le facecam il me perturbe un peu, faut savoir que bon, on a certaines minutes de bouche, etc. Pas top. Donc voilà, ça sera dans la description. Et c'est vrai que sur Black Ops 3, là, au niveau du blocage, ça marche un petit peu moins bien sur YouTube, j'ai l'impression. Et tant mieux, parce que c'est vrai qu'à l'époque on faisait du blocage vraiment pour faire des gameplays qui sortaient du haut. Que ce soit Xenon, Globox, moi, Grony, je sais plus s'il faisait un peu de blocage, mais voilà quoi. Enfin, les vidéos en tout cas, moi que je postais quand on était en groupe, c'était vraiment des trucs impossibles à faire en solo. Voilà quoi, donc. C'est au jour d'aujourd'hui sur Black Ops 3, voilà, les mecs ils tryhardent un petit peu et puis il y a toujours le problème. Comme sur BO2, mais bon, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savaient, que certains youtubeurs boostaient, et oui et oui, il y avait du boost sur certains gameplays, forcément, il y avait certaines personnes qui boostaient, et peut-être sur Black Ops 3, enfin, je m'intéresse plus du tout à ce genre de vidéos, parce que je les trouve à chier, il y a sûrement, voilà, des petits filous qui essayent de booster, et... C'est vrai que c'est un peu du gâchis, mais bon, je pense que vous, mes petits abonnés, vous kiffez toujours le petit croquis comme avant, avec ces petits lives, souvent en solo, ou en groupe. Parce que c'est vrai que solo, c'est hard, mais en groupe de 2-3, ça suffit amplement pour faire des beaux gameplays, des beaux carnages. Et voilà, j'ai encore une petite nuque. Bon, ça reste sur Nuketown, parce que les autres maps, je les kiffe pas trop. J'ai encore une petite nuque en normal, cette fois, en 107 secondes, ce qui est tout à fait respectable. Hein. J'étais juste avec un coéquipier. Et je vous posterai bientôt ça. Donc les facecom, je sais pas si j'en ferai tout le temps. On va voir les retours qu'il y a sur cette vidéo. Parce que je peux vous dire que s'il n'y a pas plus de 1000 likes à l'aise. Hein, parce que franchement on peut viser des 1500, 2000. Ça dépend du nombre de vues qu'aura la vidéo. Je vais pas en faire tout le temps.
Et j'espère que vous serez là pour liker, pour commenter. Et voilà. Donc voilà les gars, après je sais pas trop quoi faire comme sujet en commentary, parce que c'est vrai que niveau commentary je suis pas un expert, c'est pour ça que je faisais des lives à l'époque sur BO2. J'ai les prochains, enfin la différence peut-être entre Battlefield PC, Xbox One, PS4, un peu les différences sur les différentes consoles, ouais. Au niveau des jeux, donc surtout Battlefield, parce que j'ai pas mal joué, parce que j'avais eu la One, j'ai tâté le PC, et j'ai la PS4 maintenant, donc pourquoi pas faire un petit sujet comme ça, et dire mon ressenti global là-dessus. Donc voilà les gars, masse de likes, n'oubliez pas, masse de com, et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ciao, bye bye.